quand vous parlez à Karim Descendé qui s'occupe de l'actualité gourmande à Télématin et que vous lui parlez de tarte du soleil, moi je vois des tomates, des poivrons, des oignons, des trucs comme ça. Oui, non? Oui et non. Alors voilà. Ça se gâte. Parce que la tarte du soleil est une tarte en forme de soleil. Ah bon, c'est pas ou ça, tarte ouais. fleur. Si vous voulez, il y a un cœur avec des... appelons ça des ramifications, et on va pouvoir, à l'apéro ou pour le dessert, effeuiller cette tarte, c'est-à-dire chacun en prendre un petit bout, puisqu'on va les torsader. Enfin, vous allez voir ça. D'ailleurs, on le voit un petit peu là. Oui, sur ce plan-là, c'est peut-être pas très visible. Je vais vous expliquer. L'idée, si vous voulez, pour... voilà, celle-ci, c'est... Voilà, on comprend peut-être mieux l'appellation soleil. On peut décliner cette façon de présenter les choses en sucré, en salé. Donc, on peut faire ça à l'apéro ou alors pour le dessert. Je vais vous en proposer deux aujourd'hui. L'idée, c'est que quand on n'a pas grand-chose à la maison, si vous avez deux pâtes feuilletées, ça suffit, vous pouvez vous en sortir. Première recette, niveau débutant au niveau de la torsade. Deuxième recette, vous avez compris le principe, on corse un petit peu. Non, premier niveau. Là. Premier niveau. Alors, on y va. Vous allez pouvoir vous faire une idée de cette tarte. D'abord salée, avec donc de la pâte feuilletée, je vous l'ai dit, un peu de crème de gorgonzola. Puis, on va mettre un peu de pesto, de pignon, des tomates séchées, un petit peu de jaune d'œuf pour dorer le dessus et des graines de pavot. Bon, 10 minutes, le temps de garnir la pâte feuilletée. Donc, cette pâte feuilletée, ça va être... Vous avez mis une tenue camouflée, là ? Oui, voilà. J'ai voulu passer l'aperçu. Ça, c'est le gorgonzola avec la crème. Pourquoi je détends le fromage ? Pour qu'il s'étale facilement. Alors, la pâte feuilletée, la voici. Donc, on l'étale, on la prend toute prête, on ne se casse pas la tête. Et donc, je mets mon gorgonzola détendu avec un petit peu de crème. Je badigeonne. Ça, c'est fait. Je vais mettre, pour le goût, un petit peu de pesto. Donc, basilic, pignon, parmesan, un petit peu d'ail, un peu... quelques petites dés de tomates séchées, ça on en a souvent hein, dans le frigo parce que ça se conserve longtemps. Autour, je vais mettre un petit peu d'eau sur le pourtour. Vous voyez que j'ai pris soin de laisser 2 cm tout autour. Et je vais mettre dessus la deuxième pâte feuilletée. J'appuie et c'est là où ça va commencer à se corser puisqu'il va falloir former le soleil. J'ai fait un petit peu de zèle. J'ai fait tout le tour de la tarte avec mon couteau. Vous n'êtes pas obligé. C'était mais, voilà. Il y a des petits trucs qui roulent. Des dents, ah, dentées. Alors... Non, ça c'est pas pareil, c'est pour... Ah bon non, c'est pas pareil. Je vois ce que vous voulez dire. Ah, comme ça, la cannelée avec petit des petites vagues. Ça vous fait des dents oui, sur je vois la ce pâte. Que vous voulez dire. Alors, je reviens. Vous mettez un verre au centre et vous divisez en 4. Et ensuite, chaque partie, vous allez refaire des petites lamelles. Chaque partie, vous allez la couper de nouveau en 4. Jusqu'à là, vous suivez. Un verre au milieu. Ouais, et là, vous allez torsader. Ah, hop, je donne un petit tour, voyez. Et un sur deux. Il y en a un, je tords dans un sens et un dans l'autre. Ah, et oui. voilà. C'est vous go. Suivez. C'est génial. Un petit peu de jaune. Merci de ton enthousiasme, Olivia. Oh, je vais bien sûr mettre un petit peu de jaune sur le dessus. Mais non, mais pour Olivia, la cuisine, c'est du cinéma. Alors, elle adore. Oh, c'est beau. J'ai mis quelques graines de pavot et puis je vais enfourner une petite demi-heure à 180. Ça, c'était le niveau 1 parce qu'au niveau mal, de la torsade, on a pris une torsade plutôt large. Et donc, on retire sa part après, tout exactement. Simplement. Chacun prend sa petite part. Ah, c'est pour ça que c'est sympa à l'apéro. Ça change des et tomates cerises ça et des chips. Mais oui, parce que ça représente un soleil. Alors, bon, version sucrée, pour faire simple, on a pris un peu de pâte à tartiner, des poires en bocal, et puis quelques noix de pécan. Ça, c'est pour le croustillant. Oh oui, la pâte à tartiner. Donc, on l'étale sur la, sur la pâte feuilletée, avec les petites poires. Voilà, je les ai pris en conserve, parce que pourquoi pas, vous pouvez les prendre fraîches. J'ai rajouté quelques petites noix de pécan. Donc, pâte à tartiner, poire, noix de pécan. Je referme comme tout à l'heure. Donc, je n'oublie pas de mettre un petit peu d'eau sur tout le tour de ma tarte. Je pose la deuxième dessus et là on va passer au niveau 2 parce qu'on va faire des torsades un petit peu plus... on va faire 24 parts cette fois-ci. Tout à l'heure on en a fait... combien on en a fait tout à l'heure? 16, là on va en faire 24. Donc toujours le verre au milieu, on badigeonne avec le jaune d'œuf et autour du verre on commence toujours de la même manière, on divise en 4 et chaque moitié on va la rediviser en 6. Nous allons avoir 24 parts, donc c'est un peu plus petit, un petit peu plus minutieux. Ah, ouais. Et hop on torsade, et hop on torsade et on enchaîne sur toute la pâte. Et toutes dans le même sens? Toutes dans le même sens, tu vois celle-ci j'ai fait toutes dans le même sens. Après c'est comme ça vous vient, hein. Donc tarte fleur, tarte du soleil, voici les différentes appellations qu'on peut trouver. Et là donc on a un dessert, bah, écoutez, plutôt sympa, voilà, pâte à tartiner, poire qui apporte un petit peu de fondant lorsqu'on croque dedans. Ouais, ça on laisse piédir un peu, ça croustille et ça fond. Voilà. Très bien. Hein? Oh là là, je suis bluffée. Eh ben oui. Je vais aller le faire tout de suite, ça va me prendre tout mon samedi. Le regarder, c'est l'adopter.
Un petit mot, on a le temps de parler de cette amande.